Tout d'abord, la polémique sur la fiscalité en France. Les pigeons font de la résistance. Ils s'intitulent eux-mêmes les jompis en verlan. Ce sont des entrepreneurs qui jugent confiscatoire le projet d'imposition du gouvernement. Beaucoup de jeunes patrons parmi eux, beaucoup de start-up très dynamiques. Ils ne correspondent pas au cliché du bourgeois égoïste qui thésaurise. D'où l'embarras du pouvoir. Reportage Jean-Philippe Chalère. Se faire plumer, dépouiller, duper, voilà ce que veut dire pigeonner. Et voilà le symbole choisi par quelques entrepreneurs pour protester contre le projet du gouvernement d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Le site internet lancé il y a une semaine fait un véritable tabac, même si cet économiste qui avoue trouver cela plutôt drôle n'est pas dupe. Ils ont dans ce domaine-là un sens de la communication très développé. Ils en ont rajouté une couche dans « nous ne sommes pas aimés ». Il est vrai que dans l'ensemble des mesures fiscales qui ont été prises par ce gouvernement, les fortunes, les revenus élevés vont être plus sollicités que ne le sont les catégories sociales moins favorisées. Pas étonnant donc que les patrons relaient la complainte de l'entrepreneur travaillant 70 heures par semaine et qui, après 10 ans de dur labeur, se verrait taxé à 60% sur les plus-values de cession s'il vend son entreprise. Ce mouvement, en tout cas, des entrepreneurs pigeons, c'est un mouvement de bon sens. Les entrepreneurs sont des gens qui travaillent. Si on remet une couche de taxation sur le capital telles que celles qui sont envisagées aujourd'hui, on va définitivement tuer les entreprises qui créent de la valeur en France, qui créent de l'emploi en France. Le gouvernement a donc très vite senti l'impact de ce mouvement de patrons indignés et a revu sa copie. Il ne veut pas être taxé de racisme anti-entrepreneur comme on a pu l'entendre de la part du syndicat patronal. Quand une revendication légitime ou une préoccupation légitime s'exprime, il faut l'entendre. C'est ce que nous avons fait. Il aura suffi d'une campagne habile sur Internet de quelques patrons de start-up pour faire fléchir le gouvernement. De quoi laisser un goût amer aux salariés de PSA et d'ArcelorMittal qui attendent toujours un geste fort du gouvernement pour sauver leur emploi et qui le diront demain dans la rue.